j'aurais voulu voir ça. Espérons que Brutus se rappellera de la leçon la prochaine fois. Et moi, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, Père Grenouillard. J'avais tellement peur que mes pattes refusaient de courir. Ouais, ouais. C'est de là que vient l'expression paralysée par la peur. Malgré tout, ça n'a pas empêché tout bon de courir plus vite que le vent. Parce qu'il n'a pas cédé à la peur, comme certains que je ne vais pas citer. Sans vouloir abominer les choses, il y en a qui ne sont pas très braves. Il faut beaucoup de courage pour s'exposer soi-même quand un ami est dans l'embarras, hein, Garen? Oui, mais j'ai dit à Noisette de se relever. Tu te souviens quand je t'ai dit de te relever, hein? Eh ben, dis-leur, Noisette, tu dois t'en souvenir, hein? Noisette! J'ai rien entendu! Excusez-moi de ne pas rire avec vous. Mais ne pleurez pas, French Cancan. Les choses s'arrangeront aussi pour vous. Nous vous avons prouvé que nous étions prêts à risquer notre vie pour vous. Et s'il le faut, nous recommencerons, n'est-ce pas? Eh bien sûr! Merci, merci. Votre courage me sert d'exemple, mes amis. J'étais très abattue. Maintenant, je suis prête à tout reprendre. Ma blessure est guérie. Mais il y a si longtemps que je n'ai pas volé que mes ailes sont engourdies comme paralysées. Avant de vous écouter, j'étais sûre de ne plus jamais pouvoir voler. À présent, je vais rassembler mes forces et mon courage, comme tout bon. C'est ainsi que la canne reprit son vol vers la Floride, où devaient l'attendre ses enfants. Comme quoi, nous ne sommes pas les seuls à prendre des vacances dans le sud. Amuse, mais jamais désert, avec la joie et la...